Salut tout le monde, j'espère que nous en forme. Dans la vidéo, ça, nous allons voir ensemble avec moi propriété fonction logarithme. Mais okay? Comme nous sommes capables à côté, il y a une fonction exponentielle là. Moi, j'ai fait courant sur la chaîne là déjà. Donc, si nous pouvons regarder, je m'avais invité à faire ça. Nous avons un lien dans la description vidéo. Hein? Donc, deux fonctions, ça y est, une pas marcher sans l'autre. Depuis que vous connaissez une, il faut que vous connaissez l'autre. Ok? Et là, nous sommes capables de quelques limites remarquables. Donc, on est très très bien parce que c'est des limites connues d'avance. Donc, lorsque je mets, par exemple, limite exponentielle de x, x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini, il va être 0. Ok? Tout ça, il faut que nous connaissions. Donc, on va passer pour fonction logarithme. Mais avant, laissez-moi dire nous, quittez un like pour la vidéo, s'il vous plaît, partagez et puis abonnez sous beaucoup. La fonction logarithme n'est pas une note ln, elle est primitive définie sur R star plus. Donc, nous connaissons R star plus, c'est intervalle de 0 à plus l'infini. Ok? Donc, là, on a une notation fonction 1, et puis on a un domaine de définition. Il y a une autre notation aussi après ln, qui c'est log qui n'est pas vraiment répandu. Donc, domaine 1, il est très important. Pas oublier, fonction exponentielle, là, on te dit nous, c'est fonction réciproque de la fonction logarithme. Donc, mais là, ok? Domaine fonction exponentielle, là, c'est R, image li dans R star plus. Mais par contre, domaine fonction logarithme lui-même, c'est R star plus, imagine dans R. Par exemple, si j'ai ln x, donc R star plus 1, il définit toute valeur que variable x moyen est capable de prendre. Mais par contre, imagine, il est capable dans R, ok? Soit positif, négatif, ok? N'importe. Et là, on a nous deux équivalents, on dit nous ln 1 égale à 0, et puis on dit nous ln e égale à 1. Donc, c'est-à-dire, si moi 0, je dis c'est ln 1, si moi 1, je dis c'est ln e. Donc, c'est très important de équivalence à yo. Propriété au même très important, ok? C'est pour dire si A et B appartient à R star plus, c'est-à-dire A strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à 0. Pour chaque propriété, moi je vais prendre un exemple, mais espérez nous assez bien. Okay? Première propriété, on te dit nous lorsque nous avons LNA plus LNB, ça égale LNA par B. Ok? Donc, un bon simple exemple, ok? Donc, LN4 plus LN3, et bien, on dit ça égale ln facteur, donc c'est 4 fois 3. Tout simplement, donc on a dit ça égale ln 12. Donc, li vérifiable, ok, souvent calculatrice, ou tapez ln 4 plus ln 3, valeur qu'il ban ou 1, sous tapez ln 12, d'abord même bagaille. Deuxième propriété en lui-même, il te dit nous, lorsqu'on gagne ln a sur b, ok, ça égale ln a moins ln b. Donc, on prend un simple exemple là encore. Donc, on gagne ln, donc 7 c'est a, 3 c'est b. Donc, on gagne c'est ln 7 moins ln 3, tout simplement. Ok? Donc, c'est ça, propriété utile. Donc, je vais montrer un bagage ensemble avec la première propriété. Les mêmes, ils ne sont pas toujours vrai. Donc, qui ça sont qu'à dire, ils ne sont pas toujours vrai. Par exemple, si on gagne ln, mettez cochet, et puis on mettez moins 4, facteur 2, moins 3. Ok? Donc, il vient fermer ça. Donc, là, je dis bien ln a plus ln b. Mais est-ce qu'il me décompose en ln facteur 2 moins 4 plus ln facteur 2 moins 3? Ça va exister. Puisque, pas oublier, condition en dim, faut que je gagne a et b appartient à r star plus, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. Et bien là, ça va exister lui-même. Donc, condition ça, parfois, il va exister pour produit. Puisque si je gagne ln, mettez cochet. Moins pas, moins ça va être plus. 4 fois 3 va être 12. Donc, on a gagné ça qui est égal à ln 12. Ça lui-même qui existait, qui est normal. Donc, ouais, un produit, il existait. Mais lorsque je me décompose, il va exister. Donc, parfois, propriété ça lui-même, il pas toujours vrai. Pour propriété ça lui-même, lorsque nous gagnons ln à puissance n, donc nous descendons puissance là, ok, nous multiplions par reste là. C'est-à-dire, nous dit ln à puissance n égale n ln a. Donc, nous prenons un petit exemple là encore. Ln x carré, ok? Donc, ça égale 2 ln x, ok? Ln 8 au carré, donc ça égale 2 ln 8, ok? Donc, ça c'est n, donc on descend ni, donc 8 la représenter a. Ok? Pour propriété ça, lorsque je gagne ln 1 sur a, ça égale moins ln a. Donc, là, je gagne ln 1 sur 2, donc ça égale moins ln 2, ok? Moins ln 2. Tout simple, ok? A pour moi, c'est 2. Donc, ça, lui-même, il est sous même forme aussi, ensemble avec théorie qui dit ln a sur b1. Ok? Donc, laisse ça, si nous avons détaillé, nous avons dit ça, nous avons c'est ln1 qui représente a, et puis moins ln2.
OK, donc pas oublier ln1 lui-même est égal ensemble avec 0. C'est ça fait, nous tout dit ça égal moins ln2 puisque ça est égal 0. Théorie ça dit nous lorsqu'on gagne ln racine carrée de a, ça égale ln a puissance 1/2, donc ça égale 1/2 ln a. Normalement lorsqu'on gagne ln a puissance n, OK, et même théorie ça ln a puissance n ça égale n ln a. Théorie finale de ça lui-même c'est dernier, OK. Donc là si on gagne ln radical de 7, m'a dit ça égale 1/2 ln 7, OK. Donc 1/2 qui bon sorti si on gagne racine carrée de a. Donc, carré là, il n'est pas écrit. Il est sous-entendu. Exposant ça qui là, c'est 1. Donc, on dit c'est A puissance 1/2. OK? Donc, il y a une formule générale. Formule générale là, par exemple, si on a gagné racine nème de A puissance P, ça a égal A puissance P sur N. OK? Donc, si on a voulu retirer radical là. Là, on dit nous, LNEA égale ensemble avec A. OK? LNEA égale à A. Mais par exemple, si on a LNE exposant 5, donc ça égale à 5. OK? LNEA égale à A. Si par exemple, on a gagné tout, LNE 7, ça égale ensemble avec 7. OK? Donc, lui-même, lui a toujours développé, mais il plus simple, on connaît le comme ça. Par exemple, comme si on a gagné LNA puissance N. Donc, on a pas dit c'est 7. Ln e c'est n ln a, donc pas oublier ln e, OK, ln e lui même lui égal ensemble avec 1, donc on va gagner 7 fois 1 ça tape by 7, donc normalement ln e a égal à a. Détail ça lui même est très important, OK. Là on dit nous ln a puissance n est différent de ln a puissance n, ça donc qui ça veut dire première théorie ça c'est lui même qui l'a, OK, c'est lui même qui l'a. Mais ça lui-même, c'est comme si on gagne LNA qui a multiplié n fois. Je prends un exemple. Si on gagne ln x au carré. Donc, ça égale 2 ln x. Parce que LNA puissance n, ça égale n LNA. OK? Mais par contre, si on gagne ln x au carré, donc, ça c'est comme si on gagne ln x à multiplier par ln x. OK? Donc, ce n'est pas la même bagaille. Il y a différent. Donc j'aime dire nous, il est important, mais espérer nous maîtriser, c'est ça que fait un des exemples qui est très simple pour nous capable comprendre. Donc dans la prochaine vidéo que m'a fait, m'a le domaine de définition fonction logarithme, et puis avant des domaines là, m'a venu avec des exercices de simplification pour nous, OK, comment vous nous résoudre l'équation aussi. Donc là il dit nous pour tout nombre réel a strictement supérieur à 0 et b strictement supérieur à 0, donc faut que condition ça lui-même lui respecter. Donc là il dit nous lna inférieur à lnb équivaut ensemble avec A inférieur à B. Donc, c'est pas parce que y a ln à gauche, y a ln à droite que simplifié. Non, c'est par objectivité de fonction logarithme, là, OK, qui fait nous gagner équivalent ça. Donc, c'est par objectivité. En bas, on dit nous, ln A égale à ln B, ça équivaut à A égale à B. OK? Ça est même très important, surtout l'on a résolu l'équation ensemble avec une équation. OK? Et puis, en bas, on dit nous, si A appartient à R star plus et B appartient à R, ln A égal à B, ça équivaut ensemble avec A égale exponentielle de B. OK? Donc, normalement là, c'est comme si on te prend exponentielle des deux membres. C'est-à-dire, on a gagné E ln A égale ensemble avec exponentielle de B. Donc, je vais passer dans l'autre affichage là, je vais expliquer nous ça et puis je vais tout expliquer nous deux théories qui en bas aussi. Donc, on va remarquer pour un petit exemple là pour expliquer nous théorie ça. OK? Là, on dit nous si A appartient à R star plus. Donc, on dit plusieurs fois, logarithme n'y pas admettre valeur qui négatif. C'est-à-dire, valeur qui a marché à LN, il doit positif. OK? Mais par contre, imaginons, il n'y a pas positif ou bien négatif. Et ça fait dire si B appartient à R. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la valeur qui a, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut qu'il soit positif. OK? Donc, on prend un exemple là. Donc, si on dit LN Y égale avec 2, donc, m'a dit, et comme si je gagne Y égale exponentielle de 2. OK? C'est ça. Donc, là, il y a une théorie qui dit, OK? Quel que soit X appartient à R star plus, on a E ln X égale à X. Il y a un autre exemple encore. Si par exemple, on a gagné ln X égale avec moins 1, OK? Donc, on a dit ça égale X égale expo de moins 1. OK? Tout simplement.
Donc, et comme si je prends exponentielle des deux membres, c'est-à-dire que je vais expo de ln x égale expo de moins 1. Ok? Donc, puisque u ln x égale ensemble avec x, c'est le théorie ça qui là, u ln x égale à x. Donc, on tout dit x égale expo de moins 1. Ok? C'est ça. Donc, ça est très important lorsque vous résoudre équation ensemble avec inéquation. Ok? Et pour dernier, lui-même, là, on dit quel que soit x appartient à 0, 1, c'est-à-dire quel que soit la valeur que je prends dans l'intervalle, ça, ln x moins la inférieur à 0. Ça veut dire, si on a ln x, ok, normalement, 1 demi égale 0,5. C'est-à-dire, il retrouve dans l'intervalle, ça, intervalle 0 à 1. Donc, si on fait ln 0,5, la bombe a une valeur qui est négative. Ok? La bombe en valeur qui est négative. C'est ça, ça veut dire. Quelle que soit la valeur que je choisis dans l'intervalle, ça. Donc, nous avons ln x, je remplace la valeur ça par x, la valeur m'a venu à peu inférieure à 0. Mais quelle que soit la valeur que je choisis dans l'intervalle 1 à plus l'infini, la positif. Ok? La strictement supérieure à 0. Déjà, m'a dit nous merci, m'compte sur nous pour nous partager vidéo, hein. Quittez un like pour lui aussi, si que lui fait nous plaisir. Prochaine vidéo, m'a fait des exercices de simplification, ok? Donc, t'as qu'une forme d'exercice ça, yo. Donc, c'est eux que nous pourrons faire dans la prochaine vidéo, hein. Mais, yo. Donc, c'est forme d'exercice ça, yo, que nous pourrons faire. Après, m'a venir ensemble avec domaine de définition et puis dérivée fonction logarithme pour nous, ok? Donc, pas hésiter, abonnez-vous.